Hey yo tout le monde, c'est Stronix. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la Infamous Clan qui j'espère vous plaira. Aujourd'hui nous avons de nouveau un gros gameplay sur la Infamous Clan, une double nucléaire à la Razorback en groupe de 3 sur combine réalisé par Ferzo en hardcore. Et aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau petit sujet, je vais vous présenter un nouveau petit sujet qui va être les ruptures des stars en 2016. Donc je vais vous en faire une petite dizaine, je pense, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, j'en ai 19 devant moi, mais je pense que je vais vous faire une petite dizaine. Je vais pas tout vous les dire, sinon la vidéo va durer peut-être trop longtemps. Donc on va vous en placer le plus possible. Donc on va tout de suite commencer le sujet. Donc en premier nous avons Demi Lovato et Wilmer Valderrama. Je pense que c'est son copain, l'acteur Wilmer Valderrama, excusez-moi, ont décidé de se séparer après 6 ans de fréquentation. Ils ont annoncé la nouvelle simultanément sur les réseaux sociaux. Donc je ne connais pas du tout eux, donc je peux pas vraiment vous dire. Ensuite nous avons, ah ça je connais par contre, nous avons tout simplement Taylor Swift et Calvin Harris, ça je connais quand même, hein. Donc plusieurs sources affirment que la chanteuse à succès et son petit ami musicien ont rompu après un an de vie commune. Selon People Magazine, les ex se sont quittés en bons termes, voilà. Donc il n'y a pas eu d'histoire à ce qui paraît quand ils se sont quittés. Donc en tout cas, tant mieux pour eux, et c'est dommage qu'ils se soient quittés au final, mais tant mieux pour eux s'il n'y a pas eu d'histoire plus que ça. Ensuite nous avons Johnny Depp et Amber Heard, l'acteur de Pirates des Caraïbes et sa femme se sont séparés après seulement un an de mariage. Selon E! Online, Amber Heard a demandé le divorce en raison de différends irréconciliables, allant jusqu'à accuser Johnny Depp de violence conjugale. Les acteurs s'étaient rencontrés sur le plateau de Rune Express. Donc voilà pour ces deux petites personnes. Ensuite on a James McAvoy et Anne-Marie Duff, la star Discman et sa femme, qui se sont connues sur le plateau de série télévisée Shameless, ont décidé de se séparer après 9 ans, donc ça fait un bon moment, 9 ans de mariage. C'est avec une grande tristesse que nous avons pris la décision de divorcer, ont-ils annoncé par voie de communiqué. Voilà, donc 9 ans c'est vraiment beaucoup, hein, je trouve. 9 ans de mariage, je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite nous avons le chanteur de heavy metal Ozzy Osbourne et Sharon Osbourne. Le chanteur de heavy metal et sa femme se sont séparés après 33 ans de mariage. Ils n'avaient pas le temps de niaiser, eux ils sont arrivés, ils se sont mariés et maintenant ils séparent Tequila et Naken, tu vois. Voilà, j'arrête de dire de la merde. Donc 33 ans c'est énorme vraiment. Le couple a 3 enfants, Amy, Kelly et Jack Osbourne. Donc voilà, ils ont quand même 3 enfants, je pense que ça va pas être facile pour eux. Bref, on s'en bat les couilles d'eux au pire. Bref. Ensuite nous avons Zac Efron et Samy Miro. L'acteur Zac Efron et le mannequin Samy Miro, qui ont célébré leur premier anniversaire de mariage en septembre dernier, se sont séparés. Efron a même supprimé toutes les traces de son ex sur les réseaux sociaux, bien que Miro ait toujours plein d'images d'Efron sur son compte Instagram. Donc voilà. Ensuite on a Kirsten Dunst et Gareth Bale, lol, Gareth Edlund. L'actrice Kirsten Dunst et son petit ami Gareth Edlund se sont séparés après avoir passé plus de 4 ans ensemble. Dunst et Edlund se sont affichés publiquement en 2012 et ont été vus en couple pour la première fois lors de la soirée des Golden Globe Awards 2016 en janvier dernier. Donc voilà, on a des petites infos sur eux, je ne les connais pas malheureusement. Ensuite nous avons The Drew Barrymore. Excusez-moi pour l'accent anglais magnifique. Et Bill Koppelman. Drew Barrymore et son mari, la conseillère artistique Bill Koppelman, ont décidé le divorce après seulement 4 ans de mariage. Le couple a 2 filles, Olive et Frankie. Olive, c'est pas un bon garçon au final. Je sais pas. Putain, je pars en couille dans la vidéo là. Ils ont émis un communiqué confirmant la rupture. Donc voilà, ils se sont séparés avec 2 filles, donc avec un autre garçon. Ok, j'arrête. Je sais pas, on ouais, d'accord, j'arrête de parler, je sais que je dis de la merde. Ensuite, on a Jamie Alexander et Peter Facinelli. Un an après avoir annoncé leur fiançailles, Jamie Alexander, l'actrice de Blind Spot, et Peter Facinelli, la star de Supergirl, ont finalement décidé de se quitter. Leur séparation a été rendue publique le 19 février. Le couple avait commencé à se fréquenter en 2012, alors que Facinelli et Alexander tournaient tous deux sur Nurse Jackie, entre parenthèses, 2009-2015.
Ensuite, on a année avec Nina Dobrev. Nina Dobrev, voilà. Et Austin Stowell. Nina Dobrev, la star de Vampire Diaries. Et Austin Stowell, la vedette de Whisplash, ont rompu au bout de 7 mois. Le couple avait démontré publiquement son affection pour la première fois en juin 2015. Selon certaines sources, les ex-tourtereaux auraient décidé de se séparer après fin janvier, ou début février en raison de leur horaire chargé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai oublié de dire ça au début de la vidéo, mais on remercie toutes les chaînes communautaires si elles nous uploadent. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter pour nous me donner vos avis sur le commentaire et sur le magnifique gameplay. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Phonix et bye les gars.